C'est une montagne de cadeaux que découvrent ce matin Célia, 3 ans et demi, et son petit frère Robin. La table préparée hier soir pour Saint-Nicolas s'est métamorphosée comme par magie, et pour le plus grand bonheur des enfants. On va l'ouvrir ça. Donne. Waouh, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça, je me demande bien. Après avoir dévoré les premiers chocolats et même le reste de la carotte de Saint-Nicolas, Célia découvre son nouveau déguisement et pense déjà à le montrer à toutes ses copines. Et c'est une vraie demain à l'école, je pourrais emmener ça. Et à 3 ans et demi, cette jeune demoiselle sait déjà bien qui est Saint-Nicolas. Un vieux monsieur. Et qui fait quoi? Qui apporte des cadeaux. Et il se repose. Et il apporte des cadeaux à qui? À Saya, à Robin, à Gaspard, à Daphné, à Elliot. Et tandis que son frère découvre les dinosaures, avec sa couronne et sa baguette, Célia ressemble à sa princesse préférée. La reine de neige! Quels sont les cadeaux les plus tendances? Quels sont ceux que les enfants avaient envie d'avoir? Alors moi je peux répondre que pour ma fille qui a 3 ans, c'est la reine des neiges. Voilà, il y a la reine des neiges, on essaie quand même des livres... pour qu'ils puissent lire et tendance, c'est surtout les enfants qui choisissent, hein, qui nous indiquent la tendance. Le passage de Saint-Nicolas est donc une réussite, et c'est en chanson que Célia veut le remercier. Le grand Saint-Nicolas, des écoliers, apportez-moi des pommes, petit panier, je serai toujours sage.